Bonjour, je m'appelle Dani et j'ai remporté la première édition du Trail des Vallées en 2023 sur la distance du 115 km. J'avais découvert cette course un petit peu par hasard, par le biais d'un concours sur les réseaux sociaux organisé par la marque HydraScore qui était alors partenaire de l'événement. La marque m'a donc donné l'opportunité de pouvoir courir sur la distance de mon choix et j'ai tout naturellement choisi le 115 km puisque c'est une distance que j'affectionne beaucoup et qui permet un vrai dépassement de soi. La course était plutôt très bien passée, je n'étais pas partie trop vite, tout en gestion. La difficulté, c'était que l'année dernière, on partait à 23h, donc il y avait une nuit complète dehors, donc c'était un paramètre à prendre en compte pour le déroulement de la course. Cette année, ça va être un petit peu différent puisque la course démarre le matin, donc il y aura moins de parties nocturnes, ce qui va plutôt être un plus. Il faut par contre pas prendre à la légère les barrières horaires, ça avait fait beaucoup de dégâts l'année dernière, donc surtout... Faites attention, il ne faut pas partir trop vite pour ne pas se griller, mais il ne faut pas non plus aller trop lentement au début, puisque sinon on est vite rattrapé par les barrières horaires. L'an dernier, on avait eu des conditions en plus très compliquées, puisqu'il avait plu toute la journée avant la course, donc ça avait rendu le terrain très boueux et très glissant, ce qui avait bien compliqué les choses, alors que bon, on espère cette année que les conditions seront un peu meilleures au niveau du terrain. La première partie de course peut paraître facile sur le papier, mais finalement elle n'est pas tant que ça. Donc il faut faire aussi attention, les 20 premiers kilomètres, ils ne sont pas si roulants qu'il y paraît. Voilà, bah, je vous souhaite à tous une bonne préparation pour cette nouvelle édition. Mon objectif pour moi, ça va être comme chaque année, chaque course, de me donner le meilleur de moi-même, de me dépasser, et puis pourquoi pas de remporter cette deuxième édition et de conserver mon titre. Allez, bonne préparation!